Vous êtes là ou pas? Parce que si vous êtes pas là, ça vaut pas le coup. Après, si vous êtes au moins un, ça vaut le coup. Parce que là, il est 20h40. Mais je peux attendre encore un peu. Mais là, pour l'instant, on est au moins un. Y a un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue. Salutations, je suis Buzz Éclair. Salutations. Bienvenue. Presque on pourrait commencer à l'heure. Non, ah, Jean-Philippe n'est pas là. Merde. Comment fait-on? Bon, bah écoutez, vous voyez? Vous allez revoir mon visage après des mois d'incertitude. Alors vous allez me dire pour le son si c'est fort, si c'est pas fort, etc., etc. Vous connaissez la musique, j'ai dû tout re-régler. Encore bienvenue à Billy. J'ai dû tout re-régler, tout rebidouiller. Globalement, c'était pas trop mal, mais voilà. Quand même, dites-moi. Et oui, et donc, bienvenue, bienvenue, Billy. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, ce chat est tellement bien fait. Mais d'où viens-tu, Billy? Tu arrives comme ça, comme le premier flocon de neige, lors d'un hiver qui s'annonce rigoureux. J'ai un peu improvisé. Son, ok. Eh ben, vous me dites, parce que des fois, il y a un peu des... Il y a quelques surprises. Alors, je vais essayer de trouver une petite musique en espérant que ce soit correct. J'ai pas... J'aime bien quand t'es un petit peu de fond musical tranquillou derrière. Pour l'instant, globalement, j'entends rien. Et ça n'a pas l'air bien du tout ce que j'écoute. Donc voilà. Donc ce soir, donc humour moyen. Ok. Merci. Hey, arrêtez. C'est quoi ce délire? J'apprécie très peu ces réflexions sur mon chat. Je vous rappelle que c'est moi qui ai les droits admin. Hein. C'est quand même ma chaîne, merde. Bon, donc ce soir, après une longue absence, j'ai remis un petit peu les mains dans le cambouis. J'ai remis un peu les mains dans les vidéos. Je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un peu de stream, parce que quand même j'aime bien ça, d'essayer de se refaire un petit peu de stream une fois par semaine, etc. Et voilà. Et du coup, une petite série Inefficience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la revue scientifique Inefficace, Inefficience, voilà, pour fêter mon retour. On essaie de regarder un petit peu de presse scientifique, un petit article, on essaie d'apprendre 2-3 bricoles. Et si on comprend rien, c'est pas grave, c'est normal. On va pas se plaindre un peu de temps. Mais oui, en plus, ben oui. Alors que justement, vous êtes les bienvenus pour me troller un peu, mais j'allais dire à dose homéopathique, mais il n'en resterait plus grand chose. Ce qui serait quand même extrêmement dommage. Bon, en tout cas, j'ai remis les mains dans le cambouis, ça m'a fait plaisir. Il y a une vidéo qui vous attend dans un mois, le 30 octobre. Vous comprendrez en la voyant pourquoi elle sort le 30 octobre. Donc oui, ça fait un peu d'attente. Quand je l'ai faite en quelques jours et je me suis dit ouais quand même le 30 octobre ça fait c'est pas là que ça touche, mais voilà. Donc rendez-vous le 30 octobre sur la chaîne et en attendant on bosse avec
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup... Attendez. J'appuie sur quoi? Je suis de retour, hein. Ouais, je sais, non, mais le micro s'est coupé. J'ai appuyé sur un truc, ça se coupe sans faire gaffe. Parce que j'ai un bouton pour le micro, là. Qu'est-ce que je disais avant? Vous êtes arrêté où? Ouais, ça commence bien. Super. Super la technique. Allez. Je fais ce que je veux. Vous êtes arrêté où, franchement? Vidéo le 30 octobre. Ah ouais, vous êtes arrêté super loin. Le temps de réaction, il n'y a pas autant de décalage, si. Donc je disais, oui, vidéo le 30 octobre, et donc du coup, en attendant ce temps extrêmement long, donc comme je disais, ça sort le 30 octobre, c'est assez dans longtemps, mais vous comprendrez au moment où vous voyez la vidéo pourquoi ça sort le 30 octobre. Cherchez pas les fêtes nationales du 30 octobre, il n'y a pas de rapport. Et du coup, en attendant, on travaille sur la prochaine vidéo, donc avec Nicolas, Nicolas qui est le graphiste avec qui je travaille de temps en temps. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Il avait déjà travaillé sur une vidéo il y a longtemps. Et donc là, il fait des portraits, etc., avec de la peinture. Et donc, il va animer la prochaine vidéo, et normalement, vous devriez apprécier, ou comme je disais, ou pas. Voilà. Donc, le temps que d'autres personnes arrivent, ce que je vous propose... j'ai pas mal d'articles de côté, plus vieux, plus récents. Il y avait un truc que je voulais voir aussi, que j'ai vu sur Twitter ce mois-ci. Donc on va toujours être pour une efficience sur la thématique un peu biologie, tout ça. Mais en attendant, je me suis dit, il y a l'ouverture de DALL-E que vous connaissez peut-être, qui est l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Je sais pas si vous l'avez vu. Et donc, j'ai moyen de vous montrer ça, normalement. Excellent, voilà. Et si vous voulez, on peut, en attendant un petit peu, histoire de se chauffer, de se remettre un petit peu dans le bain, on peut regarder DALL-E. Donc, il suffit de taper relativement n'importe quoi pour peu que ce soit en anglais. Je vais peut-être me prévoir un traducteur parce qu'il faut quand même que ce soit propre, la traduction, quoi. Propre, j'ai dit propre. Donc si là tout de suite vous avez une idée, vous le dites tout de suite. Genre, j'en sais rien. Là, vous avez un exemple. An impressionist oil painting of sunflowers in a purple vase. Donc, c'est une peinture impressionniste. Donc en plus, il y a un style artistique de tournesol dans un vase pourpre. Une carotte volante. Ouais. C'est pas mal. On pourrait. Donc carotte volante, c'est pas mal. Donc là, on pourrait. Donc c'est vraiment pour nous chauffer, hein. Là, on fait un petit peu le truc. Back of a lab coat. Alors. Comment on dit carotte en anglais? En plus, on va apprendre du vocabulaire anglais. Carotte. Arrêtez. Alors, on peut faire. Flying. Carotte ou attendez, je veux pas dire de bêtises qui oui c'est ça oui ou where Lapcote. Alors il y a on a un nombre d'utilisations limitées. Donc, Flying Carotte. Oui, non, mais ouais, bon, on va mettre Flying Carotte. Et salut, Jouex. Salut, salut. Bienvenue. On s'échauffe un peu sur. On s'échauffe un peu sur DALL-E. Après, on regardera. On regardera. Ouais, donc, je sais pas. En fait, je suis pas sûr. Il est sorti assez récemment. Je me demande s'il n'est pas sorti aujourd'hui, il y a quelques jours. Donc, un peu une sorte de version définitive. Puisqu'il avait fait parler de lui à la base en étant relativement. En bêta test en fait et voilà donc là une carotte volante qui porte une blouse donc lab coat donc j'ai essayé de cumuler vos idées après j'ai essayé de faire des tests avant avec Gérald Darmanin Patrick Balkany Lénine mon essai avec Lénine est particulièrement réussi je trouvais j'ai fait 50 essais après tu... à 15 par mois ah c'est pas mal. On dirait vraiment des vieux dessins Windows. C'est pas mal!
Tu te demandes ce qui se passe ici. On va les faire dans l'ordre. Là, on dirait pourquoi il a une lampe de chevet rouge dans la tête. Mais voilà. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment énorme. A ginger cat riding a unicorn. Là, j'ai l'impression que quand on va faire preuve d'imagination comme ça, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vraiment bien. Le stéréotype des lunettes. Ouais, exact. Ouais, c'est très juste. Il faudrait une petite éprouvette. Mais c'est vraiment The Lab Coat avec la petite... je sais pas si tu tapes Lab Coat sur Google. Non, Google. Pourquoi je vais dans... Il y a quoi? Ah, c'est pas si évident. Si, il y a quand même des mecs avec la cravate. Vous voyez, en représentation, il y a quand même des petites blouses ouvertes avec la cravate. Il y a quand même la cravate. Oh là là, regardez ça, là. Oh, yeah! Je porte une blouse, yeah! Oh là là, regardez ça! Vous avez vu le beau gosse? Il fait... C'est une pub pour... Énorme. Salut Purev, j'espère que tu vas bien. Donc on est sur Dali, on fait une petite intro. Moi j'ai toujours une cravate quand je fais ma PCR, mais évidemment. Et donc là on a... Non mais ça c'est... Il est incroyable lui. J'arrive pas. Je le trouve un peu trop beau gosse pour... Et là, elle est tellement comprimée sur lui. Oh yeah. Comment ça? Je vais m'étrangler tout seul. Donc oui, Biorep, on était un peu sur Dali. Pour se chauffer, quand on reprend le stream, Dali est sorti en version plus ou moins 1.0, j'ai l'impression. Et donc, on a tapé en première recherche une carotte volante qui porte une blouse. Et on a cet excellent résultat. Et c'était Joex qui nous disait que le troisième était bien. Le troisième est vraiment pas mal. c'est deux styles, deux ambiances quand même, moi, je trouve. Là, c'est assez sérieux. Là, il y a un côté un peu plus toon tout de suite. Mais notez quand même, il y a un style de dessin. Quand même. On notera qu'il y a toujours la cravate. Le troisième, c'est un peu plus... Là, ça fait, c'est très Pokémon, là, je trouve. On dirait un Papillusion, quoi. Ni fan de scientifique. Oui, exactement. Lui, c'est vraiment... oh, yeah. En plus, on peut faire des effets comme ça. Regarde-moi ça, cette mâchoire, les épaules et tout. Et puis, il porte son petit stabilo comme ça. Là... Oh, mais sérieux, qu'est-ce que c'est que cette marque? Bon, bref, mais je voulais voir s'il y avait beaucoup de représentations de scientifiques avec une cravate, parce qu'il associait quand même sur la moitié des images et quand même la cravate. Non, on a 3 sur 4, il y a une cravate. On est clairement sur les dessins paint, oui, je trouve aussi, mais c'est pas mal. Moi, sur paint, je sais pas faire ça. Là, le style est différent, ça fait plus, tu sais, du collage. On notera que le bras de la carotte part directement de la carotte, là où il y a une épaule. Donc c'est comme si moi j'étais comme ça. Après, tu peux repasser un dessin dans la machine pour corriger des petites erreurs ou affiner ce que tu veux représenter. D'ailleurs, il a beaucoup trop de cheveux pour un scientifique. Bah, c'est une carotte, elle a... C'est fan. Fan, F-A-N-E. Celui-là, on pourrait repasser celui-là. Je pense. Je pense que c'est mon préféré. Les lunettes sont quand même... Je trouve qu'elles sont quand même pas mal. Alors attends, comment on fait? Ici, je upload. Oui, non mais d'accord, le consentement, tout ça. Non, on va pas cropper. On va pas cropper cette heure magnifique. Je veux pas l'éditer. Attendez, ça marche là? C'est pas clair si ça marche. D'accord. Allô? Oh! Oui, bah oui, Discrab, ils ont... Ah non, mais ah, il faut que je refasse le même texte en fait. Ça prend un crédit aussi. Oui, mais j'ai de la marge. J'ai 46 crédits. C'est bon. Déjà, on passe une demi-heure pour faire une carotte volante en blouse. Je veux dire, c'est bon quoi. Alors, attends, il faudrait que je repasse. Ah non, en fait, tu mettrais. C'est quand même de faire du micro-organisme. On pourrait tenter avec un truc avec bactéries après. Tu mettrais quoi, Joex, là, en fait? Tu remettrais le même message ou tu mets un message pour changer un détail? Genre lui rajouter un minigun, par exemple?
Mais oui, on pourra faire un truc avec, avec des micro-organismes, carrément. On est presque 10, c'est cool. Il y a Oamgi. Ouais, non, je dois pas aller. Faut que j'arrête de chercher les gens dans la liste, c'est pas sympa. Mais Oamgi, tu es bienvenu. De temps en temps, je regarde silencieusement tes streams. Ah, ça, j'ai pas tout tilté, mais tu peux rajouter quelque chose. Un minigun. Bon, voilà, tout simplement. On va voir, on va tester. Voilà. Donc après, il faut trouver quelque chose avec un micro-organisme. Si quelqu'un a une idée de comment on pourrait représenter. Là, si vous voulez, en attendant, je vous montrerai ce que j'ai fait avec Lénine. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Il me semble que j'ai voulu faire Massive Modern Art Representation of Lénine. Donc quelque chose de l'art moderne massif, donc quelque chose de gros. Qui représente Lénine. Et franchement, le résultat est pas dégueulasse. Virus, comment il représenterait un virus? Minigun bactériophage. Oui, alors attends, comment on dit bactériophage en anglais? Ouais, bactériophage. Bien, c'est mauvais en anglais. Après, c'est phage. Ouais, ce serait phage comme ça. Médiéval bactérien. Par contre, la carotte, là, c'est avec nos impôts qu'elle sautille. Au boulot, la carotte. La recherche, c'est sérieux. Je suis d'accord. C'est vrai que. Il travaille peut-être dans le privé. Hein. Bah, non, mais j'ai. Ouais, j'ai dit elle à côté. Mais toujours, parce que. Voilà. Puis des fois, dans la discussion. Il s'est rien passé. Je te le dis, il s'est rien passé. Aucun minigun n'est apparu entre-temps. Voilà, je vous le dis. Donc, on va passer au bactériophage. Ouais, on discard. Ça marche pas. Alors, bactériophage, c'est bactériophage. Est-ce qu'on pourrait mettre le badass bactériophage? Donc, bactériophage, vous savez, ce sont les virus qui mangent les bactéries, phages, bactériaux, phages manger, bactéries, bactériaux, bactéries. Je sais pas si phage, ça veut dire spécialement manger, en fait. Porter, comment je vais dire ça, parce que pour une arme, est-ce qu'on dit il porte une arme avec le même avec carry? Oui, carries minigun, on a dit, voilà, carrying, oui, carrying, ouais, oui, t'as raison, ok. Allez, c'est parti. Après, on passe à l'article. Parce que ça, je sens que je peux. Bon, après, il y a une limite de 50. Mais vu le temps que je mets. Je vous montre Lénine après, quand même. Ça me fait plaisir. Chacun son truc hein, dans la vie, ok. J'ai essayé de faire un truc. Vous le voyez un peu à droite, là. J'ai essayé de faire. Gérald Darmanin est enfin en prison, mais ça n'a pas. Holding, ouais, holding, c'est le mot que je cherchais. Mais je pense qu'il va peut-être comprendre, quand même. On y est presque. Suspense. Très très long le dernier pourcentage. C'est des pourcentages Windows, j'imagine. Le live politique. Oui, d'un seul coup, allez, on part tout de suite. On passe d'un bactériophage qui porte un minigun à Gérald Darmanin, direct. Je vais essayer de faire des personnages de jeu, dessins animés, mais ça marche pas souvent non plus. Ah oui, des têtes connues. J'avais remarqué ça, j'avais essayé de faire des personnages genre, je sais pas. Staline et Lénine qui dansent la Carmagnole, mais. Je trouvais pas que ça ressemblait tellement à. Il galère, je ne sais pas si c'est le bactériophage et le minigun qui pose problème. Ah, c'est très robotique. Alors attendez, tac. Alors là, c'est vraiment très représentation 3D d'image libre de droit. Voilà. On se demande pourquoi il a une capote sur la tête et on ne trouve pas le minigun. Mais quand même, pour un bactériophage en 3D, c'est pas mal. Il a aussi il a eu la parabole intégrée. C'est pas mal. Franchement, ça va. Là, je le trouve très drôle parce que regardez, il y a une petite référence pipette. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté film médiéval avec le chapeau comme ça. Voilà, c'est, on se demande un peu comme fourmi. On dirait qu'il a tout mélangé plusieurs trucs. The Prime Minister of an Amoeba Nation wears a turtleneck. C'est quoi déjà turtleneck? A turtleneck? Du coup, les trucs générés, il y a des droits d'auteur pour le dev de l'IA ou l'utilisateur. Je ne sais pas.
Je sais pas du tout comment sont gérés les droits de ce truc. Ça pose question en vrai, parce que c'est toi qui crée une œuvre, limite, elle est enregistrée sous ton compte. J'ai un compte. C'est une bonne question en vrai. Hein. Pourquoi il y a un petit carré de couleur là? Celle-là, je l'aime bien. Il y a un côté. Ouais, j'aime bien le dessin, c'est cool. Ça prend un côté du bactériophage. Le côté avec les darts là. On a le droit de s'en servir. Hein. Après, c'est toujours bien de. Bah, il se doute bien que ça va lui échapper. Celle-là, j'aime bien. Ça fait très robotique. On serait dans un jeu comme Wasteland ou un jeu post-apo. Il y a une fac qui dit qu'on a le droit de s'en servir, même pour quelque chose de payant. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vachement ouvert du coup. Ah, c'est beau Internet des fois. C'est cool. Hein. Je vous montre Lénine. Ça vous a plu le bactériophage, j'espère. Lénine, c'était pas mal. Donc, c'est Massive Piece of Modern Art Year Representing Lénine. Donc, ça là, c'est pas mal. Avec l'immeuble et tout. Là, ça fait très. Ça fait super moderne, art contemporain. On dirait KFC avec Lénine, quoi. Ça représente bof Lénine. Là, ça représente bien Lénine. Et c'est une massive piece of art, quoi. Goodbye Lénine, exactement. Ouais, carrément. Et celle-là, c'est super classe. En plus, il a un côté. Avec ses yeux, on dirait un peu les statues massives qu'il faisait en Chine communiste. Ça fait vraiment super bien. Là, ça, je trouve ça magnifique, quoi. Ça va mettre du monde sous les ponts, cette histoire. Oui. C'est un peu flippant. On va mettre le truc de la proposition de. Alors, vous m'avez pas dit c'était quoi un turtleneck. Vous êtes pas sympa. Hein. Vous m'avez pas fait la trad. Hein. Donc du coup, vous ne me dites rien. Je vais découvrir maintenant. Donc la proposition de Biorev. Le premier ministre d'une nation d'amibes porte un turtleneck. Coup de tortue littéralement. Ouais, je vais chercher quand même. Turtle, je sais ce que ça veut dire. Ah oui. Ah, vous allez voir. On va voir si on le voit. C'est thématique avec l'actualité. Je vous le dis. Là, vous avez un exemple. Van Gogh still painting of an American football player. Ils aiment bien. En plus, c'est surtout que ça imite des styles. Là, vous avez un truc cyberpunk, vous voyez, donc il y a vraiment des codes artistiques qui sont raccordés à l'image. Je trouve ça fou. Là, il y a 3D render, quoi. Enfin, on dirait, ça fait vraiment image rendue 3D qui a été faite par un graphiste et tout. En vrai, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous ici? Ça veut rien. Donc voici le premier ministre d'une nation amibe. Donc les amibes, vous savez, ce sont ces petits micro-organismes qu'on appelle les amibes. Voilà, et donc en espèce de bidochon là. Franchement, c'est pas mal. Là, le style, il est avec, je sais pas, Momar Lumna Mumli. C'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça veut plutôt. On dirait plutôt qu'ils ont des pulls de Noël, quoi. Puis là, l'amibe, oh la vache! Oh la vache, c'est un truc là. C'est mon flippant, celle-là. Motorka Moria. Le col roulé, quand même, ça a beaucoup impacté. Les cols roulés sont magnifiques. Là, je dois dire, le turtleneck, on. Oh, putain, alors celui-là. Ça, c'est vraiment les tréfonds d'Internet, quoi. Je suis à pipe, ouais. Game for Trash. Returned with Gold, ouais, c'est ça. C'est complètement. Celle-là me met très mal à l'aise. Ça représente tout à fait le gouvernement français tout de suite. Non, je dis ça parce que le col roulé, en ce moment, on vous dit, pour cet hiver, préparez vos cols roulés, parce que l'électricité va coûter cher, etc. Et on dirait vraiment Bruno Le Maire ou quoi, qui porte un col roulé, un peu que sa mémé a fait. Avec, je sais pas, un drapeau du Libéria en dessous, pourquoi, on ne sait pas, mais j'aime bien, ça me fait rire. Bon, écoutez, on a joué avec Dali, excellent. On s'est bien chauffé, vous êtes un peu plus nombreux, on est 14, c'est cool. Je suis content de vous revoir. J'espère que
Vous portez bien, vous avez passé un bon été, évidemment, une bonne rentrée. Arrête, Joex, de proposer, on arrête, j'ai dit. On va pas passer. On va quand même pas passer la soirée là-dessus. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Bon, du coup, je vais vous sortir un petit article, je sais pas lequel. J'ai vu que je pouvais faire un vote. Est-ce que je ferais pas un vote? Parce que j'ai jamais testé de faire un vote. Créer un nouveau sondage. Question. Quoi on choisit? Je vous fais un truc. Alors attendez. Je vous dis les options après. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, si on fait pas l'un, on fera l'autre. Il y aura trois propositions. Vous avez 1 minute. Je sais pas comment ça marche. Pour de vrai, je vais ressortir mes cols roulés des 90, ce sera tendance cet hiver. Mais carrément. C'est vrai qu'on porte plus du tout de cols roulés en fait. Moi quand j'étais gamin, on portait un peu des cols roulés des fois. Et ça va, c'est pas... Donc c'est pas choquant quoi, le col roulé. Enfin, c'est pas... Vous votez là, donc vous avez le choix entre le chat sauvage, la loutre qui fait peur, ou l'animal transparent. Trois trucs là que j'ai en tête, que je sais que j'ai de côté. C'est à vous de jouer. Je sais pas si je suis pas un peu décalé là. D'habitude je le mets pas un peu plus par là cette. Ça va être un peu plus centré. Et puis cet espace au-dessus de la tête, franchement. Pour un vidéaste, c'est vraiment c'est misérable. Tu vois pas de vote? Ah, sur téléphone, on voit les votes ou pas? Voir les résultats. Ah bah super, vous me faites un 50-50, vous foutez de ma gueule. Attendez, vous êtes 14 et il n'y en a que 2 qui votent? Bon, bah écoutez, dites-le dans le chat ce que vous préférez. Chat sauvage, animal transparent, loutre qui fait peur. Vous avez rien vu? Non, mais sérieux? Eh, il a marché hein, parce que j'ai l'écran. Vous n'avez pas été attentif. L'animal transparent. Eh, Linche! Salut, comment vas-tu? Content de te voir. On essaye de choisir quel article on va avoir en premier. On a fait un petit tour de Dali qui est sorti. Tu sais, c'est l'IA là, qui fait des images. On a eu une excellente. Attendez, je sais, en fait, je vais la mettre là. Voilà. Parfait, excellent. On va la mettre là en décoration. La création du soir, la création d'Ali. Donc c'est une, on a demandé une carotte qui vole et qui est habillée d'une blouse. Et c'est, elle est pas mal du tout. Faut le laisser un peu plus longtemps. Le méo, comment ça? Ah, le vote? Ah, peut-être. Mais c'est pas grave, vous savez quoi? Il y a eu animal transparent, on va faire animal transparent. Donc pour ceux qui connaissent pas, comme Lynch est arrivé, je suis content de le voir, c'est un camarade. De Twitter, entre autres, je ne dirai pas, c'est secret de commencer mon camarade. Il m'a aidé pour une vidéo, mais je ne dirai pas laquelle. Donc, inefficience, la revue de presse, de petite presse scientifique parfaitement inefficace. Nous allons donc voir un article. On va essayer de comprendre ce qui s'y passe. Donc, pas un article, pas une publication scientifique, un petit truc tranquille. Alors, attendez que je retrouve le truc. En fait, j'ai l'article, en fait, tout est prévu. Tactique. Il faut que je retrouve, parce que c'est sur mon Twitter. Ah, I got it. J'ai le son en plus. Comment je vais faire ça? Alors, attendez. Ouais, j'ai vraiment perdu l'habitude. Donc, j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a un peu intrigué. On va voir si vous aussi, ça vous intrigue. Essayez de pas trop regarder mes tendances, des fois que ça donne un trait de ma personnalité, surtout que je vois Russie et Bardella et ça m'inquiète un peu. Bref. Donc il y a le son. Si je fais ça, voilà. Vous allez bien voir. Je vous laisse regarder la vidéo. What do we got here, David? Dude, some kind of colonial organism. What have we got, David? Donc une espèce de chapelet. De la dégradation, oui. Whoa. Une sorte d'organisme étrange transparent qui ressemble vaguement à un chapelet d'œil
pour pas utiliser un autre organe. What the hell, man, David? What is it? Voilà. La vidéo est bien en plus, elle a une belle qualité. Le sushi est déjà prêt. Tellement États-Unis à ces deux-là. Pourquoi tu dis ça? Tu trouves que cet homme a l'air États-Unien? Jette-moi ça à la flotte. Ouais, non, mais en plus la texture a l'air. Regardez ça! C'est comme ça! Dans toute leur réaction euphorique. Ouais, it's amazing! Oh! Bro! Oh, David, what is it? Donc, visiblement, dans la vidéo, ils le disent ce que c'est. Donc, n'écoutant que mon courage, ça flotte. Ah, ça flotte, j'ai pas fait gaffe. So weird, man. It's floating, man. Non, on se moque pas des Américains du tout. C'est vraiment chelou. Surtout que ça a l'air. Voilà. Donc moi, enfin non, je sais pas si à quel point c'est collé, c'est bizarre. Bah, ça flotte vite fait. On dirait des cups, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est des cups. Ouais, on est d'accord, Lynch. Oui, non, mais je sais, mais oui. Donc la dernière image, on se... Ouais, je suis d'accord. Là, à la toute fin, on voit que ça flotte. Après, c'est des cups. Donc si vous ne savez pas ce que sont les cups, messieurs, il est temps de vous renseigner sur comment ces dames gèrent leurs règles. Alors, du coup, n'écoutant que mon courage de biologiste pour découvrir quelle est cette créature dégoûtante, en voyant ça sur Twitter, je me suis permis de demander... À Pierre, donc Pierre Kerner. Mais Pierre, mais quelle est donc cette créature? Parce qu'en général, faut pas avoir trop de clichés sur les biologistes, mais il y en a quelques-uns. Et il y a vraiment des biologistes, on peut leur demander relativement ça c'est quoi, ils le savent. Voilà. Donc Pierre marche particulièrement comme ça. Donc Pierre Kerner, vous devez le connaître. Hein. Il a fait quelques livres, etc. Il a une grosse culture naturaliste, etc. Les trucs chelous, dégueulasses, ça le connaît. Et donc, il m'a transmis cet article, qui en plus est en français, et en plus il y a des images, parce que moi je ne sais pas lire, je n'ai que les images. Donc, en fait, je ne sais pas du tout, je n'ai pas lu, machin, bidule, truc, voilà. Donc, nous sommes sur le site de Même Esprit, le retour de la vengeance de l'esprit de la guérite. Je ne sais pas c'est quoi ce site, hein. Voilà, qu'on se met d'accord. Nous avons les images. L'étonnante créature gélatineuse de la grotte de Willy le Borgne. Là, je ne sais pas du tout où je fous les pieds, mais je fais un minimum confiance à Pierre. D'ailleurs, vous voyez, Pierre est cité ici dans les tags. Je peux peut-être agrandir un petit peu. A priori, ça n'a pas de valeur marchande. De quoi? Les cups ou, parce que ça, si. Mais ce truc-là, voilà. Alors, il m'a dit le nom, mais j'ai déjà oublié. Donc, l'article dit « Nous avons découvert une étonnante créature à l'occasion d'une randonnée sur Belle-Île-en-Mer cet été. » Je ne connais pas ces gens, donc ils me racontent immédiatement leur existence. Très intéressant. « Nous avons investigué pour découvrir ce dont il s'agissait. » Je comprends. Parce que c'est vrai que c'est un peu étrange. Là, elles sont beaucoup plus transparentes que sur la vidéo. Elles ont l'air un peu plus petites. C'était aussi l'année des 40 ans de notre ami Pierre Kerner. Ah, mais il est vieux, en fait. Moi, je le savais déjà. Bien connu sur le net, donc vous savez qu'il a le fameux blog Strange Stuff and Funky Things, qui est très bien. Il est au Café des Sciences, il fait une émission sur Podcast Science, etc. Donc il participe, il a travaillé avec plein de gens, dont Patrick Beau. Voilà, donc oui, on sent qu'il y a un petit conflit d'intérêt dans l'article. D'ailleurs, on ne va pas lire l'article, il y a un conflit d'intérêt, c'est... on va faire de l'esprit critique pur et dur. Donc non, on va... C'est dégagé. Alors, le nom, cela dit, il est marqué là. Ce serait un tunisier pélagique. Nous avons, apparemment, ces gens nous ont fait une vidéo. L'étonnante créature gélatineuse de la grotte de Willy le Borgne. Oh!
C'était en juillet de l'année 2020. Nous parcourions la côte de cette île isolée lorsque... Vous voulez regarder la vidéo de 2020 ? Oamgi, oui ! Oamgi, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Eh ben, bienvenue ! Eh ben, on se fait une petite... On prend des trucs un peu au pif, comme ça, que j'ai repéré ces derniers temps. Et voilà, donc là, apparemment, on découvre le tunisier. Voilà, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Et donc, les gens ont fait une vidéo qui, voilà, ils font un... sur cette grotte inhabitée, dont nous entreprîmes l'exploration et que nous baptisâmes, pour des raisons évidentes, la grotte de Willy Le Born. Au son du pic-ploc, des gouttes qui tombaient de la voûte de cette caverne traversante qui rejoignait la mer à son autre extrémité. Je sais pas si j'ai envie de faire un réact sur les gens qui font une mignonne petite vidéo. Se trouvaient des sortes de joyaux translucides. C'est assez classe quand même, l'endroit où ils visitent la grotte et tout. C'est assez cool, hein, franchement. Hein. Donc si vous voulez y aller, c'est à Belle-Île-en-Mer. Mais par contre, c'était en 2020, donc je pense que la grotte n'existe plus maintenant. La grotte de Willy Le Born. Au sol se trouvaient des sortes de joyaux translucides. Et là, vous voyez, ça n'a pas du tout. Chose gélatineuse. Ça n'a pas du tout la même forme. Une créature extraterrestre, une sorte de ver marin, une forme de zooplancton, un tentacule de méduse ou une suite d'une créature marine. Alors, à votre avis, moi je dis certainement une créature extraterrestre. Ah oui, un tunisier. On avait vu ça à la fac, mais dans les souvenirs, c'était très coloré. Celui-là est particulièrement transparent. Peut-être qu'il est très frais. Peut-être que ceux que tu avais vus à la fac, parce que la fac, je sais où t'étais, parce que figure-toi qu'on était ensemble, à la fac, et la mer était assez loin quand même. Ça ressemblait à des œufs au départ. Ben, on va voir. Ils vont nous expliquer. On va... Attendez, c'est chiant ou pas la musique en fond, là? Attendez. Ah, merde. Attendez. L'ami de plus près, nous apercevons d'abord qu'il est animé d'une sorte de pulsation. Oh, il pulse. Mais est-il bien prudent Vous le voyez là, vous l'avez vu la pulsation? Vous n'avez pas bien vu. Nous apercevons d'abord qu'il est une créature marine. Je vous ai dit, vous l'avez pas vu. En observant notre regardez. De plus près, nous apercevons d'abord qu'il est animé d'une sorte de pulsation. Super flippant. C'est super flippant. Prudent de s'approcher de cette créature inconnue dont la forme paraît conçue pour s'introduire de force dans le tube digestif d'un hôte. Ouais, j'avoue, on dirait un peu vite fait, quoi. Nous réalisons ensuite que d'autres spécimens sont présents sur la plage comme autant de chèvres composées des mêmes unités mais de longueurs différentes. Chacune de ces unités présente une sorte de noyau plus ou moins dense, d'un orange. Super bizarre. Pas besoin de regarder des films de science-fiction. Découvrirons des dizaines d'autres de ces chaînes nageant dans l'eau de mer. Regarde-moi ça. Confirmant que les premiers organismes rencontrés avaient été abandonnés là par la marque. J'aime bien les trucs un peu chelous comme ça. L'étonnante créature gélatineuse de la grotte de Willy Le Born n'est donc ni une créature extraterrestre, ni une sorte de ver marin, ni un tentacule de méduse, ni une suite d'une créature Ce n'est qu'une forme de zooplancton. Quelle déception, le monde est si triste et gris. Mais heureusement, ça pulse. Il s'agit en réalité d'une variété de tuniciers pélagiques, des salpes. Des salpes, voilà. C'est cette grande chaîne de montagnes à l'est ou au sud-est là-bas, c'est ça en fait, voilà. Et je ne savais pas qu'elle pulsait en fait pour des montagnes, c'est quand même vachement... Cette forme de zooplancton connaît un mode de reproduction asexuée dans laquelle chaque individu donne naissance par blastogénèse à plusieurs individus clonés, formant ainsi la chaîne que nous avons observée. Oh attendez, tout allait bien, on voyait des images, il y avait la grotte de Willy Le Born ou je sais pas quoi, et d'un seul coup, blastogénèse, tout ça, là. Bon, il y a un mâle, une femelle. La femelle fait des œufs. Non. Il fertilise des femelles. Ça refait une femelle qui développe ses tests. C'est quoi des tests? Des tuniciers de Chamonix. Oui, c'est ça, voilà. Il y a que là, je j'aime en plus. Release chain of genetically identical material. Ok. Putain. Oh, ah, mais il y a une référence, hein. Friends in Ecology and Evolution, hein. Attention. On va réécouter parce que moi, j'ai pas compris. Déficience, ça s'appelle, hein, d'accord. Donc, globalement, je ne comprends rien à ce qui se passe. Reproduction asexuée dans laquelle chaque individu donne naissance par blastogénèse à plusieurs individus clonés. Je comprends pas. Blastogénèse. Je me souviens plus c'est quoi la blastogénèse, parlons. Moi je travaille sur l'ADN, hein. Bah, sur
Premier stade du développement de l'embryon et formation du blastoderme. Ah oui, peut-être que la femelle se transforme en mâle. Ben, c'est oui, mais pour moi, la blastogénèse, effectivement, c'est de l'embryologie. Donc, c'est un terme lié à la biologie, ce qu'on appelle la biologie du développement. Donc, un truc parmi les trucs qu'on apprend en biologie qui sont assez cool, la biologie du développement. Un peu trashos des fois, mais un peu voilà. C'est comme la parthénogenèse. Non, la parthénogenèse, ça va vraiment être. Comment dire Non, c'est un mode de reproduction, la parthénogenèse. La blastogénèse est le processus des différenciations cellulaires responsable de la formation du blastocyste. Ce processus est postérieur au stade morula. Donc c'est vraiment. Intervient aussi lors de la formation d'un nouvel individu issu d'une reproduction asexuée. Cela consiste à la différenciation de cellules totipotentes blastogénétiques. Il y a beaucoup de termes que je vais devoir expliquer. Hein, qui sont des cellules somatiques. L'individu non informé est appelé blastozoïde. Oui, bon, bah c'est la reproduction asexuée, hein. Allez. Donc oui, moi je dirais qu'il y a un asexué ici. Là, il y a birth. Et il donne plein de. Là, il a grossi ici. Vous voyez? On a un individu asexué qui grossit, qui doit être une sorte de larve un peu. Et ça a fait plein d'individus. Et le mâle fertilise les femelles. Ça, c'est de la biologie comme j'aime. Ce qui donne d'autres individus, apparemment des femelles, qui ont la possibilité de faire d'autres organismes asexuels. Et un truc, je ne sais pas ce que veut dire ça. Ah, je commence avec vraiment un truc auquel je ne comprends rien. Bah non, test, ça veut dire des tests. Le tunicier, c'est les seuls animaux à faire de la cellulose. Ah, la cellulose, c'est un truc dans les plantes. Enfin, oui, c'est un constituant des plantes, dans les feuilles, etc. Bon, bref. Formant ainsi la chaîne que nous avons observée. Dans un second temps, chacun de ces individus se reproduit de manière sexuée en changeant de sexe au cours de son existence, devenant d'abord femelle, puis mâle. C'est ça. En même temps, j'avais qu'à écouter, elle l'expliquait. Le noyau coloré qu'on distingue dans le corps gélatineux rassemble à la fois l'appareil digestif et le cœur de l'animal. Les salles. Charmant. Le bide et le cœur au même endroit. Parfait. Voilà, c'est comme les organismes qui ont le trou du cul et la bouche au même endroit. Genre les oiseaux. Non, ça c'est le cloaque, rien à voir. Non, mais il y a des. Ouais, bon, allez. Oh, mais je suis fatigué, j'ai une semaine difficile, d'accord? Semble également posséder une forme primitive de système nerveux, de N'importe sorte qu'elle quoi. pourrait constituer un des ancêtres Pas de possibles des commentaire. vertébrés. Je banne. Comme les méduses, elles se déplacent par contraction et pompent l'eau qu'elles aspirent lors de ces déplacements, ce qui leur permet de se nourrir du phytoplancton et des bactéries Interdit de qu'elles y trouvent. clipper ce que j'ai dit là. L'eau qu'elles rejettent, du coup, est filtrée et épurée. C'est cette pulsation qui avait attiré notre œil au tout départ. Eh bien écoutez, rapide, efficace, cette petite vidéo. Je vais vous mettre le lien. Que si... Bon, L'étonnante non, 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 créature. mais. Ça va, et. Oh. Oh, ils ont 6 abonnés seulement. Mais je vais laisser un commentaire. Je dis merci de votre. Je dis merci de votre part, d'accord? Pouce bleu. S'abonner. Donc c'est Steph Akodo. Mais je pense que ce qui est important pour eux, c'est surtout ça. Voilà. Je vous mets le lien. Si des fois vous avez des trucs pour suivre les blogs, etc., des petits outils. Voilà. Donc en fait, ce qu'on revoit ici, c'est l'article et ils font une vidéo. Voilà. Donc on a même le. C'est du zooplancton, et donc vous avez compris qu'il y a une partie des individus qui sont asexués, qui se multiplient, etc. Donc ça fait les chaînes d'individus qu'on a vues. Il y a une fertilisation des femelles, tout ça, voilà, des mâles, et il y a un changement de sexe au cours de l'existence. Voilà. Donc en fait, l'article du blog, c'est le texte de la vidéo, en fait. Donc ce sont des salpes, ou le tunicier pélagique. Voilà, c'était l'espèce du jour. On appelait ça Asidie à l'époque, parce que Asidie, c'est un mot que je connais.
Mais Acidi, ouais, avec un S. Ouais, Acidi. On peut taper sur Google. Ah, c'est marrant. Hein. Ah, c'est marrant. Les Acidi vont regrouper beaucoup de monde, quand même. C'est très joli, hein, cela dit, ce qu'on a. Ça, on... Oui, voilà. Je ne sais... Je ne sais que choisir. Je vais remettre la musique. Je ne suis pas obligé de commenter tout ce que je fais. Alors, j'ai toujours des sons que j'utilise pas parce que j'ai perdu l'habitude, mais il y a toujours possibilité d'avoir des sons. Il y a quand même des trucs. Ouais. On dirait vraiment. Alors, en fait, on sait plus si on est toujours en train de jouer avec Dali ou pas, en fait. C'est ça. Bon, du coup, c'était le premier petit article. Et ouais, 9h30. Je suis allé assez vite. Hein. Je m'y fatiguais, mais j'ai la forme, apparemment. Donc, c'était cool. Les Salpes. En voyage de bio, on jouait au pistolet à eau avec des acidies. Explique-moi comment on peut jouer au pistolet avec des acidies, à part faire prout-prout comme ça. Il y a toujours mon. Je vais le mettre plus petit. C'est vrai. J'adore ce truc. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, à chaque fois qu'on fera un live, on fera un petit tour sur Dali. On fera un truc qu'on affichera ici et on les accumulera tout du long comme ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus. Comme ça. Ouais, donc oui. Oui, ok, je vois. Donc oui, bah chouette article de blog. Je dirais ces petits poissons asiatiques qui ressemblent à des petits zizi. Pourquoi? Pourquoi? On est vraiment chez les biologistes bas du front, quoi. Zizi, prout, enfin, total, quoi. Y a rien à garder. Ou alors on fait dans le Dali le mystère où on doit retrouver la phrase de départ. J'y ai pensé tout à l'heure. J'y ai pensé, en vrai. Que j'imaginais un truc et que vous deviez imaginer le truc. J'y ai pensé, franchement. Bon, on va essayer de se faire un autre sujet. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes content de retrouver la chaîne. Moi, je suis content de restreamer. J'ai retrouvé la forme. Et j'avoue que c'est un plaisir de retrouver mes petits trucs là. Quand j'ai fait mon petit tournage aussi, j'étais super content. Je sais pas, je vais pas faire beaucoup de vidéos hein, les années à venir, mais au moins ça m'a fait quand même super plaisir. Donc j'espère que le plaisir est partagé. Alors, il y a un autre article. Donc, je vais faire la publicité de mon institut, c'est-à-dire le CNRS. Et ça me manque un petit hymne national peut-être sur mon. Je devrais mettre voilà, un petit bouton hymne national. J'ai que trois trucs, j'ai que trois sons et c'est pas. La dernière fois que je t'ai vu, c'était sur Vampire Survivor. Ça date. Alors, les jeux vidéo, c'est pas censé être enfin, le principal. De temps en temps, ouais, je jouerai un petit peu à des jeux qui passent bien en stream. Histoire de, voilà, de se détendre un peu. Mais globalement, l'idée que j'aurais, ce serait de faire. Ouais, une fois par semaine, ce serait plutôt les jeudis soirs, un petit truc comme ça, voilà, prendre l'habitude. En fait, moi j'aime bien, je lis très peu de livres, choses comme ça, mais je lis beaucoup d'articles. Et des fois, j'ai pas toujours le temps, ou je me motive pas, ou je les mets de côté. Et là, je me dis que c'est vraiment l'occasion de lire des trucs que je voulais partager. Et voilà. Alors, ordinairement, je fais un tweet au fur et à mesure pour rappeler aux gens que. Voilà, je fais un article, enfin un truc sur Twitter pour expliquer que on est toujours en live, pour alimenter toujours en viewer et en activité, parce que je trouve que le format comme ça, c'est quand même aussi pas mal, comment dire, je vois les articles que j'ai mis de côté, que c'est pas mal quand on a un peu d'interaction. Il y a vraiment des trucs que j'ai mis depuis assez longtemps sur, comment dire, ben, j'ai un petit dossier inefficience, quoi. Il n'y en a pas énormément, hein. Mais j'ai un truc, c'est. Je vous lis le titre. La Balkanatolie, ce continent perdu à l'étrange faune unique au monde. Donc ça date un peu, hein. Ça date du début d'année.
Mais en fait, c'est surtout le continent perdu, Balkanatolie. Ça m'a fait penser à quelqu'un, un homme politique assez connu. Et à l'étrange faune unique. Je crois que j'ai vraiment mis truc que pour le titre en fait de l'article. Non, l'article qu'on va voir là, il est bien. C'est un concept écologique dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Que je pense dont on parlera la prochaine vidéo en vert de la blouse, vraiment au sens strict, la grosse vidéo qui sortira parlera d'écologie scientifique. Et en marge de cette vidéo, je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs vidéos. Une vidéo qui parle un peu de philosophie, une autre qui parle d'écologie scientifique avec un collègue à moi qui est écologue et qui connaît bien les concepts d'écologie. Moi j'aime bien l'écologie fondamentale, il y a vraiment des concepts vraiment cool. Et là c'est un concept cool. Et on a le Squall avec nous. Je suis content de te revoir parmi nous. Ou c'est plutôt moi qui suis content de me revoir parmi vous. Donc un abonné fidèle et également fidèle. Donc tu as raté l'acidie. Mais c'est pas très grave. On a découvert ensemble les Alpes. Et voilà. Voilà, je fais ma pub en plein milieu. Comme d'habitude, il faut juste que je remette le nom de la chaîne parce que je suis tellement doué que je ne connais pas mon nom de Twitch. Pif paf, voilà. Donc, le prochain article. Je ne sais pas faire de tâches en même temps, la preuve. D'ailleurs, il y a un article caché, j'ai vu... qui s'appelle « Les hommes sont-ils réellement monotaches ?» On pourra voir ça une autre fois. Voilà. C'est selon l'inspiration. Donc là, on était sur la créature gélatineuse. Voilà, que raté, voici. Et donc, nous allons passer à les loutres qui font peur. Les super prédateurs règnent par la peur dans les océans. Et ça, ça va un peu de rêve. Ça me donne extrêmement soif. C'est une horreur. Je sais pas pourquoi je ferme ma gourde parce que... Après j'ai mangé un peu salé ce soir. Donc je sens que... Vous avez pas besoin de me faire des pauses d'hydratation avec les points de chaîne, voilà. Et oui, les loutres, c'est vicieux. Alors, ça va être un concept qui est vachement bien, vous allez voir. Donc, à l'introduction, c'est que les animaux sauvages se déplacent en fonction du climat et des ressources, évidemment, mais aussi pour éviter leurs prédateurs. C'est logique. Personnellement, j'ai bof envie de rester avec... voilà, Raccoon, tu as bien compris l'instruction, que c'était pas utile spécialement ce soir d'utiliser tes points de chaîne pour l'hydratation. Mais je suis obligé de le faire, c'est un contrat tacite. Si je ne le fais pas, de toute façon, il y a Twitch dépose plainte contre moi, donc je suis obligé. Donc, une nouvelle étude. Donc, article date de mars. Hein. montre comment ce paysage de la peur, ce paysage de la peur façonne les écosystèmes marins avec des conséquences pour leur conservation via la mise en place d'aires marines protégées. Ces recherches publiées dans Communication Biology sont le fruit d'une collaboration à long terme entre 7 laboratoires de recherche français et sud-africains. Donc le concept, c'est que quand vous êtes une proie facile, vous avez bof envie de rester à côté de ces gros machins qui ont envie de vous bouffer. Ça semble logique. L'écologie scientifique repose sur beaucoup de choses qui ont l'air de faire sens. Au large de l'Afrique australe, le Benguela est une des régions marines les plus productives de toute la planète et un point chaud de biodiversité. Donc comme d'habitude, moi j'aime bien savoir où je vais. Putain, Benguela, c'est écrit comment ? Waouh, pourquoi je suis arrivé très très soudainement en Australie là.
Attendez, je croyais qu'ils avaient collaboré avec un laboratoire sud-africain. Et là, on est en... Attendez. Ouais. Bon, c'est en Angola. Donc c'est une... Ouais. Ok, bon, super, c'est en Angola. Parce qu'une fois comme ça, on était tombé en plein désert, c'était super chouette les images qu'on voyait, donc maintenant je cherche à chaque fois. Et puis ça vous entraîne si vous jouez à GeoGuessr. Voilà. Peut-être qu'on fera des lives GeoGuessr un jour. Je pense que je suis particulièrement mauvais d'ailleurs. Dans cette zone... Non, j'ai déjà lu ça. Dans cette zone côtière, Otaria Fourrure et Fou du Cap se disputent des ressources marines limitées par les changements climatiques et la surpêche. La compétition est d'autant plus ardue pour les fous que les otaries ne ratent pas une occasion de les croquer, en plus des poissons que les deux espèces consomment. Donc elles se font la compète un peu d'un point de vue des ressources. C'est la guerre. Les otaries instaurent ainsi un paysage de la peur, auquel les fous réagissent en les évitant, autant que possible. Ceci est particulièrement difficile la nuit, lorsque les fous tentent de dormir à la surface de l'eau, alors que les otaries demeurent très actives. Ça sonne particulièrement chiant ça. Donc déjà, peut-être qu'il faut que je vous montre ce que sont les fous du Cap. C'est des oiseaux, hein. Ça ressemble un peu au fou de bassin quand même, je crois. Ça ressemble carrément au fou de bassin. Donc fou de bassin qui est un oiseau qui fait partie des oiseaux assez emblématiques en Bretagne. Parce que voilà. Et non mais il se ressemble comme... Je vois pas la diff en fait. Il ressemble... Ouais. Donc ce sont des oiseaux qui vont plonger en plus. Donc une espèce menacée, comme vous le voyez, elle est en danger en plus de ça. Je pense que... À un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas deux appellations différentes pour la même espèce, en fait. Mais c'est juste qu'elles doivent être relativement proches. Mais, voilà. Donc ça, c'est un fou du cap. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur YouTube, taper... Fou du Cap. Regardez, il y a Fou du Cap versus Fou de Bassin. voilà. Oh là là. Ça c'est dingue. Ça c'est complètement ouf. Regardez-moi ça. Je vais couper le son. Donc on a un banc de poisson. La qualité de la... Putain, attendez les gars. On est sur National Geographic Wild France. La 1080p elle est dégueulasse. Putain, sérieux. Bon. Voilà, donc là il y a un banc de poissons, il y a des requins, et ça c'est des fous de bassin. Et ça c'est dingue, ils vont à une vitesse. Et en plus, regardez comme ils nagent avec leurs petits pieds palmés là. Ils sont trop drôles. Et ils vont à une vitesse, je sais pas à combien ils vont. Au moment de l'impact dans l'eau, ils se profilent, ils rentrent les ailes. Est-ce qu'ils vont montrer au ralenti? Lui monte ralenti, please. Donc non, non, vous n'êtes pas sympa. Donc c'est super classe. On voit un peu là. J'ai vraiment l'impression de faire le truc, vraiment le pire truc. On voit un peu là. Il rétracte vraiment les ailes en arrière comme ça. C'est fou, hein? J'ai rien à vous apprendre, moi, c'est juste que je regarde juste des images comme ça sur Internet. En fait, c'est un peu comme si vous n'étiez pas là. De toute façon, vous parlez plus sur le chat, donc... bien culpabiliser son audience, toujours. Tu peux mettre YouTube au ralenti, sinon. Oui, mais en fait, je voulais avoir vraiment l'image... Ouais, mais ça va être dégueulasse au ralenti, comme ça. Non, mais j'aurais voulu que eux ils aient une image, vraiment, une belle image, quoi. Comment on dit ralenti en anglais? Et pourquoi il y a Édouard Philippe là? Putain, lâchez-nous la grappe, sérieux.
Attendez. Oui, bah si. Coup du cap. Slow motion. Merci, Raccoon. Je sais pas, là, l'anglais, il va pas sortir ce soir. Ah, c'est le foot bassin. Mais ça va être pareil. C'est une vidéo de Jean-François Cornuet. Après, je vais vous mettre le lien de Jean-François. Non, je sais pas où c'est. Si, Gané. Non, Cap 6-1. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est le ralenti. Ah oui, non, mais il n'y a pas le ralenti de quand il plonge. Oh, putain, Jean-François. Bon, les images sont belles, hein, quand même. Franchement, enfin, je pourrais vous le mettre comme ça. Franchement, c'est super. Ils ont vraiment la classe. Non, son image, elle est belle. Diving plongée. Ouais, ouais, t'as raison. Fou du cap, diving, slow motion. Non, mais regardez sur quoi je tombe. Bon, bref, vous avez compris, il y a Florent Manodou. Des gymnastiques rythmiques, un sabrement de champagne au slow motion. C'est bon. Bon, vous avez compris le principe, on a vu les fous du cap. On partait pas du tout là-dessus. Hein. T'as vu, Fanny, je fais comme Pompon, ça part. Ça met très très longtemps pour faire un truc. Je prends exemple sur mon modèle, hein, sur Pompon. On va arrêter Pompon après. Oui, je diverge, c'est ça. Donc, reprenons. Donc, je suis obligé de reprendre à chaque fois le sujet, quoi. Donc, les fous du Cap, pas les fous de Bassan, qui sont en Angola, se disputent, on va dire, les poissons, la bouffe, avec les otaries. Et les otaries mènent la vie dure aux fous, aux oiseaux. Et des fous qui se posent sur l'eau pour dormir. Alors peut-être que d'un œil, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas comment se caractérise le sommeil des fous. Se font emmerder toutes les deux minutes par les otaries. Les suivis par balises électroniques des mouvements des deux espèces, 222 individus entre 2003 et 2015, ce qui est... Alors c'est un temps long, mais 12 ans d'études. 222 individus, c'est pas rien quand même, hein, montrent que la plupart des fous s'échappent vers le large la nuit, afin d'éviter les otaries plus côtières. Parce que... ils aiment bien rester un peu entre eux. Cette migration nocturne permet aux fous de diminuer le risque de rencontrer les otaries de 25%. C'est-à-dire qu'ils sont pas non plus complètement cons. Quand ils sont emmerdés toutes les deux minutes quand ils veulent dormir, voilà. Des résultats inattendus. Alors là, ça m'intéresse. Ça, j'adore ce mot, ça. On va pas faire ce pompon au Bataclan, oui, il est au Bataclan. Donc on va pas, on, je vais pas faire, voilà. On essaie de faire montre d'un minimum d'esprit critique quand on lit des trucs. Moi, je me demande bien pourquoi c'est inattendu. Pourquoi c'est spécialement inattendu? Parce que justement, c'est malin, il y a eu de la sélection, il y a eu des générations et des générations de fous du cap qui se sont dit, vraiment, les otaries, c'est... Elles cassent les couilles la nuit, elles font des teufs, c'est... Ah, jusqu'à point d'heure, c'est chiant à mourir, quoi. Bref. Genre, ils se sont plaints au syndic de Coproprio, enfin, bon, bref. Donc, ces résultats inattendus ont de fortes implications pour la mise en place d'aires marines protégées. D'accord. Celles-ci sont essentielles à la conservation d'oiseaux marins vulnérables, tels que les fous du Cap. On a vu tout à l'heure qu'ils étaient menacés, espèces en danger. Dont les populations sont en fort déclin, mais elles ne prennent pas en compte les paysages de la peur exercés par d'autres prédateurs, comme les otaries. Les otaries sont elles-mêmes à la merci des grands requins blancs, qui sont chassés par les orques. C'est ainsi toute une hiérarchie de la peur qui façonne un écosystème marin. Cette étude identifie pour la première fois un paysage de la peur à une échelle régionale en milieu marin. Donc ça veut dire que c'est un phénomène écologique, donc il se mesure, faut quand même, c'est pas sorti du cul d'une poule, c'est-à-dire qu'ils ont fait une expérimentation pour voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se met en place où les espèces font délibérément... en tout cas les individus ou les colonies ou je ne sais quoi délibérément un déplacement un mouvement pour éviter
d'autres espèces, en particulier des prédateurs. Parce que possiblement, peut-être que les otaries, c'est peut-être ça que j'ai pas précisé, qui est peut-être pas forcément clair pour l'instant, c'est que peut-être que les otaries bouffent le fou. En fait, là, non, là, il y a marqué un poisson. Voilà. Ici, il y a marqué un poisson, mais dans la bouche, voilà. Donc c'est un phénomène qui n'a... C'est la première fois qu'il a été observé en milieu marin, où différentes espèces de milieu marin vont avoir peur, entre guillemets. On avait l'image d'un fou là en plus. J'aime bien découvrir un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que les images... Qu'est-ce qui... Oula! Ah, donc vous voyez, fou du Cap ayant échappé à une attaque d'otarie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu sang dans l'assistance? Apparemment. C'est tout? Merde. Je pensais qu'il était plus long l'article. Ah, mais tu fais avoir là. Oh là, je pensais que ça allait m'occuper beaucoup plus que ça. Oh merde! Ouais, il s'est. C'est peut-être pas le sien, hein, c'est peut-être. Ouais, c'est. Ah, vous avez vu ça, il a le... Sur sa patte, les doigts sont dessinés, ils sont colorés. Ils ont l'air d'avoir des yeux, les fous du Cap. L'œil perçant comme ça, avec la sorte de paupière bleue, là, comme ça. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien quand c'est visuel, un peu, notre petite revue. Ils se sont évanouis, ça y est, ils sont tous... J'avoue, les fous à pied bleu faire leur parade avec leurs pieds. Oui, ça me dit quelque chose, mais on peut chercher, on peut voir l'image. Ouais, les fous à pied bleu. C'est oui. Si, si, non, oui. Oui. Mais je l'ai pas vu en vrai dans la vraie vie, hein. Fou à pied bleu. On va peut-être avoir une. Ah, ben si, on les a. Toujours National Geographic Wild France. On verra sur 1080p et meilleur ici. 25K vues. Donc, petite proposition de raccoon. On reste sur la thématique oiseau. Donc, eux, c'est pas les fous à pattes bleues. C'est les oiseaux à pattes bleues. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espèce, rien que dalle. Bravo, National Geographic. Voilà, ça a l'air toujours. Oh, c'est vraiment drôle ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ces pattes. Regardez-moi ça. C'est beau franchement. Les bleus dans la nature, c'est pas si, je trouve, c'est pas si fréquent. Hein. Je crois. Je dis une connerie hein, peut-être. Je trouve pas que ce soit le truc le plus fréquent parce que le monde finalement est très, sous nos latitudes en tout cas, le monde est très vert finalement. Voir du bleu, c'est pas une couleur dominante. Je me suis dit, c'est qui ce con qui fait une pub de ma chaîne comme ça alors que j'ai rien demandé. C'est le bot. Et salut Jean. Nous avons Jean parmi nous. Une sommité, s'il en est. Je suis un petit peu de retour et on diverge. Verge. Le pigment bleu n'existe pas, c'est pour ça. Donc comment ça se fait qu'ils ont les pieds bleus alors? Bon, attendez, on regarde la parade quand même. Donc là, regardez, il dandine un peu du croupion. Ça ressemble, oui, ça a quand même la même tête qu'un fou, hein. On regardera que c'est ton... On dirait vraiment pour la pose clope entre 2 heures de boulot. Surtout lui. Là, ils se baladent quoi. Ils font les 100 pas quoi. Donc ça c'est sa parade où il agite ses pieds quoi. Genre regarde comme je suis beau, regarde comme je suis en bonne santé, j'ai les pieds vraiment bleus quoi. Si, normalement, donc Raccoon disait que c'était les fous à pieds bleus. Parce qu'en fait tout à l'heure, l'article dont on était en train de parler, on parlait des fous du Cap qui ressemblent pas mal aux fous de Bassan ou qui sont une espèce assez connue en Bretagne. Et donc là, on dérive, et puis Raccoon nous dit, est-ce que t'as vu les... Regardez-le. Monsieur et madame,
Hop, en plus il se fait une petite révérence. Bonjour madame, comment allez-vous? Moi c'est Gérard, j'ai une très bonne situation. 50 KE par an. Voilà. C'est quoi que t'as par chez toi, des fous de Bassan? Ou des fous du Cap? Non, pas des fous du Cap, les fous du Cap ça va être... Oh, regardez, ils sont synchrons. Vous avez vu ou pas? Parce que moi, comme je regarde là, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai loupé. Ils sont un peu... Ouais. Ah oui, ils font pas mal de parades, quand même. Ah, bah là, la parade a bien réussi, là, je crois. Là, c'est plus la parade, là, maintenant, là, à ce stade-là. De face, ça a l'air un peu con-con, quand même. Ah oui, je suis dans le jugement de toutes les espèces. Hein. Non, mais regarde. Ah, attendez. Hey, c'est... Oh, c'est pas moi qui... C'est une couleur physique. Si tu prends un papillon Heliconus et que tu mets l'alcool, la couleur disparaît temporairement parce que l'indice du milieu est plus... Oui, d'accord. Est-ce que ce serait un peu comme le morpho? Bassan. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas. Le foot Bassan, pour moi, il est assez haute... haute latitude. Voilà. Bref, ça c'est vraiment... voilà, non, c'est là. Là, ça c'est vraiment parfait, ça. C'est vraiment excellent. Il n'y a pas du tout du jugement de valeur, là. Ah, là, ça se passe bien. Là, il va pécho, là. Là, il va pécho. Bon, ok, super. Merci d'avoir montré. On peut chercher un peu fou. Ah. Pied bleu. Ouais, c'est bien fou. Pourquoi ils appellent ça oiseau à pied bleu? Il peut bien donner le nom de l'oiseau quand même. Yep pour morpho. Oui, voilà, donc oui, c'est physique, juste ce que je veux dire. C'est une propriété physique de la chose. Ouais. On va pas pouvoir tout chercher là, on part dans tous les sens. Baba testicule bleu aussi. D'accord, ok. Moi je vais couper là. ça me rappelle l'un des premiers streams inefficients, on avait regardé le mec, c'était une maladie, qui avait la peau complètement bleue. Parce qu'il s'intoxiquait, je sais plus quoi. C'était le Squall 35, qui est parmi nous, je crois, qui avait bien. Mais on va pas tourner en boucle sur tous les trucs et reprendre, recycler les vieux machins. Mais ouais. Un gars qui avait la peau bleue. Je me demande s'il n'est pas mort au final. Donc il y avait une intoxication, je ne sais plus. On va vraiment regarder le babouin à testicules bleus. Tu sais que c'est vraiment donné une très mauvaise image des biologistes quand même. Je pense. Je pense pas qu'on va. On va pas chercher le babouin à testicules bleus, enfin, ça me semble. C'est bon. J'ai un autre petit article peut-être ou quoi. On pourra passer à la suite. Hein. De toute façon, je vais essayer de pas streamer trop tard. On va pas. Je trouve que ce serait quand même un peu exagéré de... Enfin... Voilà quoi. Je veux dire, à bout d'un moment. Je veux dire, il faut être sérieux un peu 2 minutes, quoi. Il me semble, hein. Il me semble qu'il faut être sérieux 2 minutes. Enfin, voilà. Voilà. Donc ça, tu vas me dire que c'est une propriété physique aussi. Ok. Alors, le bac... J'ai même pas tapé... Babouin testicule bleu, juste taper babouin testicule. Il se trouve que une bonne partie des babouins sont des testicules. Pourquoi? Ok. Allez, pourquoi certains singes ont-ils des testicules bleus? C'est parti. Allez. Attendez 2 secondes. Je pense que ça mérite un petit tweet pour leur dire où on en est. On a un peu dérivé, quoi. Je vais prendre la... voilà, les gens vont être ravis. De toute façon, dès que ça parle de couilles, ça, tu vas voir que là, tout le monde va arriver. C'est lequel? Putain, c'est pas celui-là. C'est pas la bonne image. C'est normal que vous voyez rien, là. Voilà. Donc, article... J'ai jamais trempé des testicules de moi dans l'alcool pour vérifier. Idée de sortie du week-end. La preuve que les couilles bleues, ça existe. Oui, c'est vrai. Oh. Sans ça.
Ça, c'est vraiment. Ça, c'est une vieille blague bas du front qui date des années 90, les couilles bleues. C'est... Je vais pas commenter. Bref, du coup, reprenons. C'est pas le bon. Pourquoi certains singes ont-ils les testicules bleus? Question imposante, il en est. Notez l'aimable chasteté de cette photo. Il y a juste vraiment un petit bout de couille. Voilà. Donc il faut savoir que même si j'y connais rien, j'aime beaucoup les singes, parce que j'aime beaucoup leur regard, leurs attitudes, j'aime beaucoup retrouver un peu de nous dans eux. Donc c'est vraiment, j'ai une certaine affection pour les singes, comme si je voyais un bout d'histoire, un peu d'histoire naturelle à chaque fois que j'en vois. C'était trop facile, je suis faible. On dérive dans le bon sens, oui, mais complètement. Complètement. Donc du coup, le mandrille, le patas, le grivé ou le talapoin sont des primates originaires d'Afrique. Leur spécificité? Des testicules de couleur bleue. Cette teinte n'est pas causée par des changements hormonaux, comme c'est le cas pour les testicules rouges des babouins. Selon Fred Berkovitch, le fameux Fred Berkovitch, biologiste à l'université de Kyoto, c'est au Japon, elle s'expliquerait, donc déjà il y a du conditionnel, donc voilà, par un effet d'optique appelé effet Tyndall. Donc c'est certainement l'effet, en plus c'est parfait, la boucle est bouclée, on va parler de cet effet physique, voilà. Du fait de la structure particulière du derme dans cette zone. La peau absorbe l'ensemble du spectre lumineux, à l'exception de la lumière bleue. Donc ça c'est un truc physique, c'est comme une plante, ou c'est comme mon post-it. Là, ici, là, mon bloc de post-it. La lumière, donc la lumière dite blanche, donc qui est composée de tout. Donc il y a Jean qui va bien contrôler tout ce qu'on dit, parce que je pense dans l'assistance, c'est lui c'est le plus physicien de nous tous. Donc tu me dis si je dis. Tu me corriges. Vous êtes là pour me contrôler aussi. Hein. La lumière blanche, donc qui a toutes les couleurs. Voilà. C'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, finalement. Ça rentre ici. Prout, prout. Et donc tout est absorbé, sauf le jaune qui ressort et qui du coup vient jusqu'à nos yeux. Et on voit le jaune. Je suis pas physicien, donc nous stress. Pourquoi je m'étais mis dans la tête que tu étais plutôt physicien? Pour moi, tu avais fait ta thèse sur les mouvements de l'eau, la couleur blanche, donc. Oui. Donc bref, donc du coup, la couille du singe, vous disiez. Enfin la peau. La peau, la peau. Pas la couille, la peau. Le scrotum. La peau, voilà. La peau du scrotum absorbe l'intégralité du spectre lumineux et ce qui te ressort, c'est uniquement le bleu. Conférant aux testicules cette couleur insolite. Plus le bleu est vif, plus les mâles attirent les femelles. Donc ça c'est un autre problème. C'est notre problématique. Il n'y a que ça, la taille des testicules compte aussi. Ceux des patasses peuvent ainsi doubler de volume pendant la saison des amours pour s'attirer les faveurs de la jante féminine. Oh putain. C'est de pire en pire. On va pas taper patasse quand même dans la. Ah, oh là là. Non, ça va. Non, ça va. On va regarder avec son visage, d'accord? Bon, il est rigolo. Il a cette petite loupette au-dessus des oreilles. J'ai effectivement fait une thèse avec certains composants de filles, mais mon bangonde, c'est matinfo. D'accord, ok. Je sens qu'on tombe vers les plus grosses testicules du règne animal, oui. Oh non, putain, tu m'as donné envie de chercher les plus grosses testicules du règne animal. Non, je dois mettre des limites. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, maintenant, histoire quand même d'essayer d'apprendre des choses et pas juste chercher couille sur Google, c'est de chercher effet Tyndall avec Google. Et là, on va apprendre des trucs. Il n'y a vraiment pas de photo du couille du patas, ça c'est quand même dommage. Il y a plusieurs patas quand même, j'ai l'impression. Ils ne se ressemblent pas tous là. C'est dommage. Ah si, regardez à côté là. Là, voilà. Ah, dis donc, effectivement, waouh! Énorme! Je sens qu'on tombe, ouais. Vous êtes incroyable. Et en plus, elle se détache du corps, ce qui est quand même super pratique.
pour le nettoyage. Bref. Il a l'air très perturbé le fait d'avoir sa couille à côté quand même. Regardez. Bon bref, allez, on a compris. Il a bien dit le mot couille, il est content. Effet Tyndall. Alors là, c'est là où on sort de mon domaine de compétences. Déjà que les singes n'étaient pas... Ah la vache. En plus, non, la page est courte. Mais ça démarre mal. Cet article est une ébauche concernant l'optique. J'aime bien le fait où Wikipédia est une ébauche, c'est vraiment l'article. Alors, l'effet Tyndall est un phénomène de diffusion de la lumière incidente sur des particules de matière. Donc attendez, je ressors. J'ai pas compris. Cet effet est visible dans les systèmes colloïdaux, notamment les suspensions, les émissions ou les aérosols. Là, à la rigueur, j'ai compris. Le phénomène est facilement observable sur des rayons de lumière lorsqu'il traverse des zones riches en particules solides ou liquides. Par exemple, les testicules. Par exemple, de la poussière ou des gouttes d'eau. Attendez, je vois pas... Le phénomène de diffusion de la lumière incidente... En fait, diffusion de la lumière incidente, je comprends pas. Jean, s'il te plaît, ça veut dire quoi, diffusion de la lumière incidente? Oh là là là. Ça, dans la pile des reproches faits aux biologistes, ça va grimper comme ça. Ça va être terrible, ça va être une catastrophe. Je souffre d'avance, quoi. Bref. Bon. Là, on a un effet Tyndall qui... Ça, c'est un truc qu'on voit les matins. C'est une bonne manifestation. Donc, au moment de la brume, donc c'est ce truc... comment ils ont appelé ça? Suspension colloïdale, c'est ça? Système colloïdaux. Donc, on a vraiment des mini-gouttelettes, beaucoup comme ça, qui vont... Comme quoi, on est au niveau testicule de la science. Dès qu'on élève le niveau, on comprend plus. Très joli. Ouais, non, mais oui. Non, mais c'est super cool. Donc, ça, c'est l'effet Tyndall. Ça a un nom, cet effet, donc c'est super cool. Les photons arrivant de la source lumineuse sont dispersés dans tous les sens. C'est l'inverse de la lumière réfléchie. Ouais, enfin là, tu... Oui. Arrivons. La source lumineuse sont dispersés dans tous les sens. Oui, en fait, est-ce que c'est un peu comme le max, c'est vraiment le brouillard, ou c'est vraiment... On voit plus rien parce que ça part dans tous les sens. J'ai peur un peu de... Mais c'est pas... C'est... Inefficience. C'est marqué juste là, ok, la revue de presse scientifique pour les nuls par un nul. Je mens pas sur la marchandise. Elle fait directement de la source lumineuse. C'est un peu comme le laser quand on tape avec la... Le prof qui faisait ça avec la... Vous savez, avec la craie, avec le truc de... Ou pas la balayette qui suit le tableau de craie, ensuite il tape, et comme ça on voit les rayons. C'est bah oui, c'est par exemple de la poussière ou des gouttes d'eau. Attends, parce que là, je cherche toujours le rapport avec la peau des noix, quand même. Ce phénomène s'explique aujourd'hui dans le cadre de la diffusion Rayleigh. Je ne sais pas comment on prononce ça, même si je l'ai déjà vu écrit, mais jamais entendu. L'intensité de la lumière diffusée est proportionnelle à la puissance quatrième de la fréquence. Ah non, en conséquence, la lumière de couleur bleue est notamment plus diffusée que la rouge. Cet effet explique la couleur bleue du ciel et la couleur bleue des couilles du singe et des fous aux pieds bleus. Crépusculaire, ça veut dire tard le soir. Oui. De ce que je comprends, c'est une façon très alambiquée de parler de rayons crépusculaires. Rayleigh. Ah oui, tu dis Rayleigh. Oui, d'accord, ok, Rayleigh. Oui. Oui, parce que en fait, Ray, moi je dis parce qu'il y a des plantes qu'on appelle les Ray Grass. Ray Grass, en fait. Donc pour moi, je prononçais ça de la même manière. J'essaie de chercher des excuses. Donc, la lumière qui arrive aux couilles du singe. Rezoom sur la couille du singe. Arrive. Finalement, se diffuse. Et en plus, il n'y a que le bleu qui ressort. C'est pas très clair. Parce qu'entre le côté diffusion et le côté... c'est le bleu qui ressort. Si vous voulez, entre cette magnifique photo de brume et une couille de singe,
c'est chaud quoi de trouver le vraiment le lien. Pour moi, c'est un peu chaud. Mais on n'est pas obligé de comprendre. Les phénomènes physiques, c'est des fois un petit peu. Des fois, ils sont expliqués très simplement, mais justement, des fois un peu trop. Quand il te manque quelques bases de physique, je trouve ça c'est un peu difficile. Là, il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés sur les lumières réfléchies, diffusion, tout ça. Moi, j'ai retenu les longueurs d'onde parce que je m'en sers. Émission, tout ça, je m'en sers au travail, mais sinon. Là, on a une autre. C'est vrai que ça fait partie des trucs, des phénomènes physiques dans la nature. Je parle de ça, hein. Qui ça fait partie vraiment des plus beaux phénomènes qu'on ait, je trouve. Si, je crois que je comprends, mais c'est vraiment très tordu pour expliquer des couilles bleues. Ouais. En fait, c'est aussi pour ça que je cherche, parce que le mec explique avec... en fait, c'est ce que disait tout à l'heure Raccoon. C'est que la couleur bleue dans la nature, y a pas de pigment, on peut le vérifier. Pigment naturel bleu. Non, comment je vais chercher ça? Comment tu l'avais formulé, Raccoon? Est-ce qu'on pourrait chercher le bleu existe-t-il dans la nature? Un truc comme ça? Voilà. On a un truc comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que j'ai vraiment pris le premier lien. Du bleu. La couleur bleue est très rare dans le règne végétal. Tout ça, tout ça. Est-ce qu'on va... blabla... Les cellules vivantes fabriquent difficilement les molécules capables d'absorber le spectre rouge. Notons que celles-ci sont volumineuses et possèdent une structure complexe. Le bleu s'obtient par le biais de processus physiques et non chimiques, donc c'est ce qu'expliquait Raccoon. C'est souvent un effet physique et pas un effet chimique, donc vraiment une molécule qui va permettre de faire ça, qui va permettre de faire le pigment. Comme il disait, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. En vrai, les cellules vivantes fabriquent difficilement les molécules capables d'absorber le spectre rouge, donc d'absorber tout le reste, sauf le bleu. C'est difficile d'avoir cette... cette composition-là. Pour les papillons, il y a des petits réflecteurs. Voilà. On pense au morpho, qui est un papillon bleu. Là oui, c'est... C'est qui est dans le décor des vidéos, d'ailleurs. C'est bien que si je pouvais l'accrocher, là, ça ferait un petit truc, là. Les végétaux trichent avec les anthocyanines, il me semble. Oui, il y a des cyanines, ouais, tout à fait. Il y a quand même un peu de bleu. C'est juste que ça doit être plus difficile, donc c'est enfin plus difficile. C'est un peu bizarre dit comme ça, quoi, mais... Voilà. Et donc au cas où vous voulez savoir, vous ne trouverez plus Pornhub sur Instagram. Voilà. C'est... Ok. Bon, c'était quand même intéressant. On comprend des grands trucs généraux, on n'est pas obligé de... voilà. On peut se dire aussi que c'est assez tordu d'utiliser l'effet Tyndall pour expliquer la couille bleue du singe. On peut peut-être essayer de se dire qu'effectivement il peut y avoir un phénomène physique. Alors après j'ai vu qu'un article, hein, sur la couille bleue du singe. Hein. Peut-être d'ailleurs, parce que Wikipédia, on peut lui faire un peu confiance, parce que mine de rien, il y a... est-ce qu'il l'explique? Est-ce qu'ils en parlent? Oui, mais ils disent pas pourquoi. Bon, bref. Ah oui, ah oui. Ah merde, moi qui regarde des testicules de babouin sur Insta. Bon. Il me semble qu'on a besoin de faire une pause sur Dali. Ça me semble assez évident. Après, on a une explication aussi de Jean. La diffusion des hautes fréquences est plus importante sur la peau des couilles. Le bleu s'en trouve donc plus largement diffusé. Et les autres couleurs, probablement... partiellement absorbé ou peu diffusé. Ouais, tu vois, c'est assez tordu.
quand même. Ça s'est tordu. Bien. On est combien de temps qu'on stream? Ah, déjà? Si on met Monkey Test sur Dali, il met du bleu ou pas? Bon, je suis pas sûr qu'il accepte qu'on mette testicule, à vrai dire. Pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais hydratation. En fait, c'est que j'ai pas hydratation. Il faudrait que j'ai une alarme, en fait. Je vois pas quand vous mettez... C'était à 37 minutes, hein, quand même. Moi, je dis ça se tente. Baboon Balls. Attendez, on pourrait dire... Attendez. Si. Essayez de trouver un nom d'une célébrité, quelque chose. Et ça va être 1-1. Discover. The Blue Balls of... Baboon. Mais faut me dire qui est la personne là. Allez, je prends le premier. Allez. Là, il va falloir vous réveiller. Peut-être que vous allez vouloir finir avec une image mystère. On se fait un petit truc non, Balkany, putain. Tout de suite, Patrick Balkany, quoi. Chier. Donc, un mec discovering. Parce qu'on veut qu'il soit en train de le faire. The blue balls of a baboon, en espérant qu'on ait un ballon et pas une couille. Et si tu comptes Lénine, on n'a que Balkany et Lénine ce soir, c'est pas possible, quoi. Alors attendez. Allez, c'est parti. Je vais garder l'écran comme ça. Je vous mettrai. Ah non, mais voyez. It looks like this request may not follow our content policy. C'est-à-dire que Balls, il aime pas trop, quoi. Ah. Oh. Ouais, mince. Ah, testicule, ça va être pareil. Bon, ça devait arriver à un moment donné. Ouais, ben en fait, je pense qu'ils veulent pas trop qu'on détourne leur invention, quoi. Ben, Patrick Deskin, Blue Baboon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Désolé, hein. Mais enfin, c'est de la discrimination envers un excellent jeu vidéo, ça. Mais je suis d'accord que c'est de la science. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ça cherche. Patrick Balkany, discovering a blue baboon. Suspense. Et vous encore, vous savez pas. Vous allez voir dans un second temps. D'ailleurs, je pourrais carrément, vous savez. Vu qu'il y a, je sais qu'on a pas vu mettre Bolt. Alors attendez, ça n'a pas marché. Je pense que là, c'est certainement 22h13, c'est certainement une heure de grande influence. Il y a une database ou il cherche en fonction sur Internet. Ça, je sais pas. Je veux. Ouais, on pourrait chercher. Faut quand même que je fasse une pause pipi avant, mais on pourrait chercher un peu comment il fonctionne par curiosité. Bon, de toute façon, je sais très bien qu'on fera pas mieux que notre carotte. Très bon, c'est Fanny qui a conseillé la carotte. La carotte volante et Raccoon avec la blouse. Salut Lynch, j'écoute, j'espère que ça t'a plu, mais tu vas quand même pas rater Patrick Balkany qui découvre un babouin bleu. Non, Lynch, tu dois regarder Patrick Balkany. Bon, ça ressemble... Bof à Patrick Balkany, mais tu vas quand même pas rater ça. Bon, allez, je vous le mets parce qu'il s'en va. Voilà. Alors,
Il a une certaine manière de représenter Patrick Balkany. Voilà. Le troisième Balkany va vous étonner. Bon, le babouin bleu est bien. Là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent lui faire dire. Moi, j'aimerais bien que ce soit un truc. On devrait donner un style photoréalistique. Il y a un truc, ouais. Bah là, ce qui est important, c'est la dentition quand même de. Alors là, on ne sait plus qui est là, qui est l'autre. C'est toi le son grésille un peu. Si je parle un peu fort, ça sature un peu. Faut me dire si c'est très très fort hein, le son. Faut que je garde mon micro un peu éloigné. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Merci. On a bien rigolé. J'ai le son de Balkany fait ça, ça je peux. non, tu sais, en fait, c'est à Levallois, tu vois. Il fait tout. Ah non, chez moi aussi. Je pensais que ça venait de chez moi. Non, j'ai peut-être. Non, et ça le fait toujours. Ouais, ils sont sur le même code couleur. Hasard ou coïncidence? Voilà, ouais, ça en fait. C'est... Ce truc, je crois que je pourrais m'amuser longtemps. Revenir en live, je trouve ça parfait, quoi. Ce truc, vraiment, on peut se faire une idée comme ça, on rebondit. Allez, on regarde un truc sérieux, un petit tour sur Dali. Ouais, je pense que j'étais un peu près, j'ai peut-être un peu saturé. J'ai un peu de mal. Hein. En tout cas, bisous à Lynch, ça m'a fait plaisir que tu sois passé. Bisous chez toi. Et prends soin de toi et bon week-end, bien sûr. Oui, ça fait toujours depuis ta recherche d'Ali. Ah. Bah, je sais pas. Je ne sais pas écouter. Je peux. Voilà. Parce que moi, je touche. J'ai rien touché, hein. Donc là, il y a le chat de Lynch qui nous dit au revoir, H. Le chat qui. Voilà. Ouais, ça marche, bisous. Voilà, il y a mon chat là. du coup, est-ce qu'on se fait un dernier article? Ouais, bon, je pourrais peut-être couper là. J'ai tant pas me crever à la tâche. On a 2 heures de stream. Un peu moins parce que. J'ai fait un peu durer. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon truc. On a une belle création quand même. Hein. On peut se. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est le truc quand on a essayé de faire le test là. Il s'est rien passé. Hein. Franchement, rien n'égale les carottes. En fait, vous savez ce que j'aimerais tester? Allez, on se fait un dernier test. Ce serait un truc. 1-1-1 in photo réalistique style. Vous voyez ce que je veux dire? On invente n'importe quoi, vous me sortez des mots. Voilà. Alors on peut s'inspirer de ce qu'on a vu ce soir, par exemple une loutre. Loutre en anglais c'est halter. Mais je sais plus comment ça s'écrit exactement. Hauteur, oui, j'aurais mis H donc. Ouais, ok, starfish. Donc on pourrait dire an otter and a starfish taking it together in photo realistic style. Je pense que c'est pas mal. Je crois que je pourrais jouer à ça très longtemps. voilà. Druki, ouais, je pensais prendre le thé. Ouais, Druki, ouais. En fait, vraiment le truc de prendre le thé, genre on est à une petite table, genre british quoi. Afti, ah ouais, voilà. Having tea together in photo realistic styles. Voilà, having tea. Have a cup of tea. Voilà, c'est ça que je.
Allez. Attendez, je vous mets le suspense. Parce que... Une victoire... Ouais, non, mais attends, on va pas faire un truc à long. Une victoire et un hostel. En fait, je me demande si... Ouais. C'est le... Moi, en fait, ce qui m'intéresse dans le test, c'est le photo-réalistique style. C'est ça qui me... Parce que là, par exemple, j'ai un truc, c'est un vitrail, quoi. Ils ont fait un truc, un stained glass window, qui décrit un hamburger et tout, dans les exemples qu'ils donnent. Et donc, on a le vitrail, quoi. Donc, ce que j'aime bien, c'est le fait que ça imite vraiment des styles particuliers, quoi. Ah, oh, putain, c'est incroyable. Alors là, franchement, vous l'avez pas. Je vous mets un peu de suspense. Je sais pas si ça grésille. J'espère que ça grésille pas. Je vais me réveiller un peu. Franchement, là, c'est genre giga réussi, quoi. Genre giga, giga réussi. Vous voulez voir? Ah, j'essaie de vous motiver comme je peux. Hein. Bon, allez, c'est parti. Moi, ça grésille toujours. Bah, de toute façon, on regarde ça et puis je vais. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est cool. C'est tellement style. Ouais, c'est super. Il y a pas de grésillement, arrête la débitoire. Ouais, je me demande pourquoi... Pourquoi d'un coup ça se met à grésiller, quoi. Je vois pas ce que j'ai en fond qui pourrait foutre la merde, en fait. Attendez, je regarde juste un truc. Qu'est-ce que j'ai, là? Je peux couper ça... C'est bizarre, parce que moi, je vois pas de bruit de fond, en fait, dans le... Je peux, ce serait pas la musique. Bordel, l'étoile de mer de l'enfer. Ouais, non, mais oui. Par rapport à l'autre, ouais, je suis d'accord. Bah ouais, non, mais oui, je suis d'accord. Ah, c'est un bébé loutre. Hein. Tu vois qu'il est blanc. Les loutres juvéniles sont pas. Voilà, donc là, c'est incroyable aussi, je veux dire. Quelle panée. Donc, Avinti. Donc, on sait pas trop ce qu'il y a dans la main, mais. Trop bien, elle est trop bien. Hein. Celle-là, elle est trop classe aussi. On dirait une peinture. Trop bien. Et la dernière, qui est aussi stylée, il y a une espèce de ragondin à côté. Avec la, ils ont une petite fleur, voilà. Et Avinti, quoi, voilà. Ils ont leurs copains, la petite étoile avec la grande étoile de mer. Il y a la loutre qui a son thé fumant. C'est trop bien, franchement. Le bleu et tout, bah, c'est super classe, quoi. C'est trop bien. Celle-là, je la prends. C'est trop, trop bien. Moi, ça. C'est mieux que les images mystères, franchement, quoi. La prochaine fois, on peut... J'essaierai d'en préparer une ou deux. Je vous les affiche. Vous essayez de. Je vais essayer de mettre peut-être des trucs. Peut-être des trucs, un truc simple et un truc complètement con. Et vous essayerez de deviner. On fera un jeu comme ça. Puis ça nous change un peu quand on regarde des articles. Mais moi, là, au fur et à mesure, on va en mettre plein. Voilà. C'est un générateur d'avatar. Mais complètement. Complètement. Bon, du coup, comme ça grésille, de toute façon, je pense que je vais arrêter là, histoire de se mesurer un peu. C'était, on reprenait un petit peu le rythme. Écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous voir. On va essayer de voir si on peut raider un petit quelqu'un. Toutefois, si vous, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est en live, qui a une petite chaîne ou quoi, bah, vous n'hésitez pas, on ira lui faire un petit coucou. Si tu mets YouTube Header, t'obtiens un truc potable, c'est à dire genre que ça fasse genre une bannière, quoi, tu veux dire. Ah non, mais bon, t'es pas à t'excuser d'arriver à la bourre, vous arrivez quand vous voulez. efficience, mais oui, efficience, moi, ouais, je l'avais pas vu en plus dans mon truc. Bon, alors il bourré cet homme là, c'est pas possible. Alors, efficience
Ok. Bon, en tout cas, on est de retour dans le game. Et puis, je pense que... Attendez, ça s'est lancé direct, là. Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Oui, non, c'est pas prêt. Donc, on va le raider. Je vous souhaite un bon dodo, un bon week-end. Vous passez le coucou à Efficience. Et puis, normalement, si tout va bien, jeudi prochain, on se fait un petit coucou. Et on se trouve d'autres articles. Peut-être le retour du chat sauvage, là, en France. Là, il n'y avait jamais ça de côté, qui est assez récent. Et puis voilà, donc je vous dis à jeudi prochain, si tout se passe bien. Peut-être pas. Ou alors, on verra. Je pourrais être peut-être sur une autre chaîne, on verra. En tout cas, je vous fais signe, vous me suivez sur Twitter. Et puis voilà, je suis content de vous avoir vu. Bisous tout le monde. Bisous Raccoon, merci pour les pieds bleus et les testicules. Les gens, merci pour les explications de thermodynamique nucléaire. Voilà. Allez, salut, je lance le raid. C'est parti. Et voilà. Ciao.